Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cette nouvelle séance. Alors, cette semaine, ça va être une séance un petit peu rock and roll, on va dire, hein. Oui, peut-être encore. Toutes les semaines, j'essaye de trouver, alors pas des nouvelles postures, parce que hein, vous le savez, c'est vrai que sur ça, mon imagination est débordante, mais j'essaie de trouver des séances qui ne vous font pas tomber un petit peu dans la lassitude, parce que c'est vrai qu'on n'est pas des professionnels de YouTube, entre guillemets, donc il faut toujours sans cesse se renouveler pour trouver cette petite étincelle, ce petit plus qui fait que bah, vous arrivez à vous accrocher, et je sais que c'est très bien, vous restez motivé, et ça, félicitations, parce que hein, même moi je ne sais pas si je serais capable de le faire. Alors oui, je fais les séances parce que quelque part je suis obligée, et c'est ça qui est bien. Donc, mais je crois que si je n'étais pas obligée, moi la première, hein, flemme, j'aurais déjà arrêté depuis très longtemps. Donc c'est vrai que grâce à vous, je me maintiens en forme, et peut-être que grâce à moi, vous vous maintenez en forme. Donc vous voyez, l'un sans l'autre, on ne peut rien faire. Donc c'est très bien. Enfin, si vous pouvez peut-être faire plus de choses que moi. Enfin, bref, voilà. Le débat est lancé. sur ce. Donc, avant de commencer, on va déjà bien s'étirer et bien échauffer les épaules, parce que les épaules, alors on va discuter, hein, enroulez avec moi vos épaules, les épaules vont être énormément sollicitées. Alors je sais, vous avez peur, hein, j'en vois déjà deux. Pas de panique, ne paniquez pas, il est très important, c'est comme tout, c'est comme le dos, changez le sens de cercle, c'est comme le dos, il ne faut pas avoir peur de le travailler. Moins on travaille, plus la calcification quelque part va s'installer, plus l'amplitude de mouvement va se réduire. Donc non, c'est surtout pas à laisser gagner du terrain. D'accord? Il faut vraiment, vraiment les solliciter. C'est comme le corps, il faut tout travailler. Pas spécialement une zone. Ça, c'est mauvais. En plus, ça forme un déséquilibre au niveau de l'organisme. Donc voilà, il faut vraiment tout travailler. Et là, aujourd'hui, on va travailler l'ensemble du corps en déséquilibre grâce aux épaules. Vous allez vite comprendre, vous allez voir. Même moi, je me suis perdue dans ma propre séance. Mais je suis partie loin, loin, loin. Allez, ici, vous allez placer les jambes sur le côté. Vous vous grandissez, vous serrez bien votre centre sans oublier votre périnée. Et là, voilà, celui-là, on l'aime bien. Ça fait beaucoup de bien à la colonne vertébrale. Ça l'allonge. Pareil pour les épaules. On engage la sangle abdominale. Allez, grandissez-vous. Encore. Hop, j'en profite. Ah, je mets mon petit minuteur. Allez. Très bien, changer. Hop, les jambes de l'autre côté. En même temps, ça permet une ouverture de hanche. Donc, on avance bien le pied, on se redresse. Allez, grandissez-vous. Encore. Alors, je baisse la tête parce que je baille en même temps. J'essaye de me cacher derrière ma mèche, mais je ne sais pas si ça a marché. Bon, en même temps, je me vends, hein, donc bon, c'est pas grave. Allez, et soufflez, très bien. Hop, on va échauffer un petit peu les hanches. Vous joignez les pieds, vous rapprochez votre bassin des talons. Voilà, c'est magnifique. Et petit papillon. Grandissez-vous, serrez bien le centre. Alors, vous voyez, hein, j'ai un genou qui est en haut et un qui est en bas. Vilain psoas, gentil psoas. Vous voyez, hein, c'est énorme. Hein. Allez. Très bien. Buste droit,
Attrapez bien les pieds, ressortez légèrement la poitrine, mais sans cambrer le dos et inclinez le buste vers l'avant. Allongez la colonne vertébrale. Surtout, n'arrondissez pas, grandissez-vous. Encore. Inspirez, essayez d'aller plus vers l'avant encore. Et soufflez, très bien. Hop, allongez les jambes, alors je vais me mettre de profil. Ou de trois quarts, allongez les jambes, pieds flex, pointe, flex, soufflez bien, restez flex, croisez la jambe droite, rapprochez bien le genou de la poitrine, voilà, déjà on sent ça tire dans le fessier, l'autre pied flex, vous attrapez votre genou et vous ouvrez les deux épaules, donc vraiment ouverture de la poitrine sur le côté. Je reprends des forces. Soufflez. Parce que je ne sais pas vous, mais forcément, un petit peu, j'ai énormément plus de temps pour... pour moi-même, donc là je vous dis pas, je suis en train de tout démonter dans le jardin, les travaux qu'on n'a jamais le temps de faire, retirer les pavés, twister, hein, vous avez changé de jambe, hein. Là j'ai des nouveaux voisins qui sont qui nous prennent un petit peu pour une ferme. Oh, regarde, il y a des poules, oh, regarde, il y a plusieurs chiens, plein de chats, donc ils sont agglutinés à notre grillage. Sauf que j'ai une haie vivante, c'est-à-dire que j'ai des herbes à papillons, j'ai des groseilles et des cassissiers. Donc c'est pas des persistants, mais qui font vivre les petits insectes et les oiseaux au beau jour et à l'été. Donc là forcément, il n'y a pas de feuilles. Donc j'ai tout, enfin, je commence à déraciner certains groseilliers et je les ramène autour de mon potager. Donc, et je vais mettre malheureusement des persistants. Peut-être pas tous, mais quelques-uns, histoire de bien couper un peu le vis-à-vis. Vous vous en foutez, hein, mais je vous raconte ma vie, ça me fait du bien aussi. Allez, le dos bien droit, ici. Je vais ouvrir la poitrine. Je me grandis, je me grandis. Et je souffle, je relâche. Encore. Et je souffle. Très bien. Vous vous asseyez sur les genoux. Je vais mettre dans ce sens-là. Vous placez. Alors celui-là, je sais, vous le détestez. Hein. Ouais, j'aime. Puis j'aime bien le faire parce que vous le détestez. Alors forcément, pour moi, c'est un peu plus sympa. Les épaules vers l'arrière. Vous attrapez. Alors, vous voyez, hein, je suis sur mes orteils. Vous attrapez vos talons. Inspirez. Et là, vous amenez le bassin vers l'avant. Ça tient les cuisses de ouf. Inspirez, rasseyez-vous. Expirez. Et je rebâille. Une dernière fois. Inspirez. Et soufflez. En même temps, ça tire toute la sangle abdominale. Très bien. Allez, nous allons commencer. Donc on va échauffer un dernier, les poignets, parce qu'ils vont être 1 sur 2 vraiment en appui. Donc échauffez bien les poignets, voilà, dans un sens et dans l'autre. Essayez de bien isoler, parce que des fois vous me faites en même temps hein, les coudes, les avant-bras. Bien, alors, pour commencer, dans les enchaînements, nous allons nous tabler sur 6 répétitions. C'est le maximum. Si 6, c'est trop difficile pour vous. Vous m'en faites un, vous m'en faites deux, je m'en fous, peu importe. Le tout, c'est que ce soit propre, d'accord? Donc, les postures, vous les connaissez. On va commencer avec le push-up sur une jambe. Donc, je vais remonter un petit peu le téléphone et puis un peu l'éloigner parce que sinon, je vais être encore une fois décapitée. Mais je sais que vous aimez bien ne pas voir ma tête. Mais voilà, donc, allez-y doucement, mais faites-le bien. Gardez toujours en mémoire le centre bien engagé. Les épaules toujours dans l'alignement, les hanches, c'est la même chose. Il n'y a pas une hanche qui plonge ou qui se redresse, sauf dans le cas où je vous le dis. D'accord? On y va?
C'est parti. Je règle à nouveau ma caméra. Bien, donc j'ai modifié un petit peu j'ai éloigné ma caméra. Nous allons commencer sur la jambe droite. Vous allez décoller le pied gauche et vous mettre en équilibre. Vous serrez le centre, vous vous grandissez. Centre engagé, fessier contracté. Sur une jambe, vous enroulez vers l'avant, vous avancez avec les mains, inspirez. Et là, tout doucement, vous allez pivoter sur la main droite et aligner le bras gauche. Vous le bloquez au-dessus de l'épaule. Revenez de face, inspirez, pliez le genou et reculez. Soufflez. On va le faire, alors je vais avancer un petit peu mon tapis, on va le refaire donc 5 fois, d'accord? On y va ensemble. Allez, c'est parti. Essayez de ne pas poser le pied. Je serre mon centre, j'inspire. Et là, inspire, reviens de face et plie. Ça fait 2. Encore 3 si vous pouvez. Alignez bien votre bras ici lorsque vous le tendez. Encore un. Et restez en bas. Posez. Très bien. Vous allez poser le genou gauche. Vous montez la jambe droite. D'accord? Les hanches bien stables. Et vous descendez sur les avant-bras. Tout va bien? Yes. Tout doucement. Tout doucement, alors je regarde un petit peu ma feuille, qu'est-ce que j'ai fait ici. Ah oui, un petit mouvement de l'avant vers l'arrière. Donc hop, je vais éloigner mon genou, je bascule en gainage et là je vais monter les fesses et je souffle, je reviens. Et 2 3 4, pointe de pied, hein. Pied droit, pointe de pied, 5, encore un, et 6, très bien, vous restez, vous inspirez, là vous allez monter sur les mains, très bien, la jambe, swimming, écartez bien les mains, largeur bassin, tic tic tic, je me rapproche, et là, attention, prenez appui sur le pied, sur les orteils du pied gauche. Et là, vous allez monter la jambe et tendre la jambe gauche. Et souffler, poser. Encore. Et très bien, vous descendez l'avant-bras gauche. Prenez appui, vous dessinez un arc-en-ciel. Demi-cercle, je croise derrière. 1, allez, 2, 3, 4, 5 et 6. Pied flex, tu descends et tu montes. 6, 5, 4, 3, 2,
Et très bien, posez le genou droit. On appuie sur l'avant-bras. Alors, je me tourne le dos volontairement. Avant-bras droit, je pivote et je tiens en side bend. Le bras bien aligné. Je descends le bassin et je monte. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez, revenez au centre. Ça va toujours? Yes. Les épaules vers l'arrière, vous vous grandissez. Gainage, pointe de pied vers le plafond, je serre le centre. Je descends en deux temps. 1, 2. Et ici, je me déplie. Side, swan dive. Ouh, j'y arrive. Inspire. Et push-up. Souffle. Deux temps. Descends. 1, 2. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. 2. Souffle. 3. Les coudes sont la largeur du tapis. Ne déborde pas. Encore un, je crois, hein, j'ai oublié de compter, mais je crois qu'on doit être pas loin. Allez, coquillage. Soufflez. Très bien. Relâchez un petit peu. N'hésitez pas à plier les coudes. Est-ce que ça va? Ça va? Alors, voyez, hein, c'est pas si facile, si évident que ça. Donc, allez-y doucement. On va se remettre debout. Et là, uniquement le push-up sur une jambe avec la jambe gauche, bien sûr. On y va? Donc surtout, si un côté, il y a une douleur, déjà vous arrêtez, déjà de base. Mais si vous voulez faire absolument cette séance, mais que ce n'est pas la grande forme. Si il y a un mouvement, vous savez que ça ne va pas être faisable. Ben, ce n'est pas grave, pour un mouvement, votre corps il va pas être complètement dézingué. Faites-le de l'autre côté, simplement. Voilà, pour ne pas perdre cette dynamique du mouvement. Et puis surtout pour vous-même, vous dire que, ok, là je ne peux pas le faire. Je vais le refaire deux fois du même côté. C'est pas grave. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Tous les mouvements, vous avez vu, sont très, très, très complémentaires. Donc, il n'y a pas de souci. Vous ne serez pas... c'est quoi? C'est la créature de Frankenstein d'un côté, Hulk de l'autre, hein. Voilà, à peu près. Voilà, dans l'idée, hein, tu vois. Voilà. Allez. Donc, là, en plus, moi, je vois, j'ai mis mes chaussettes. Parce qu'en fait, pour information, je refais cette vidéo. Parce que, voilà, apparemment, elle n'aura pas été enregistrée sur mon ordinateur. Donc, je refais cette vidéo. Donc, je vous dis, j'ai la patate. Mais, note à moi-même, la première fois, j'avais fait pieds nus et c'était beaucoup plus stable. Et là, j'ai mes chaussettes parce que je la refais un petit peu en catastrophe. Mais, c'est pas grave, au moins, je la refais deux fois. Comme ça, je peux vous dire que si on fait deux fois le même mouvement parce qu'on est un petit peu blessé ou parce que, voilà, ceci, le corps dit non. Ne vous inquiétez pas, tout travail. Je ressens. Allez, jambe gauche, c'est parti. 6 mouvements, je serre mon centre, j'inspire, allez, j'avance. Attention, doucement, je contrôle et je souffle, je bloque. Inspire de face et souffle. Alors, le premier mouvement, on a l'impression d'être une grosse baleine ou d'être une grosse limace, une chenille. Tu vois, voilà, c'est plus sympa la chenille. C'est plus mignon, voilà, enfin certaines chenilles. Allez, surtout quand tu avances et quand tu... Moi, c'est quand je me redresse. J'avance, ça va. La chenille, elle est mignonne. Mais par contre, pour revenir, c'est la grosse chenille, tu sais, coloniale. Là, celle qui bouffe les arbres. Allez, souffle. Et de deux. Inspire. Et souffle. Vraiment, la grosse limace, là, quand même. Hein. Ça fait deux. Inspire. Trois. N'allez pas trop vite.
encore deux. Encore un. Encore une position ou un mouvement, oui. Soufflez, restez au sol, inspirez, vous posez le genou droit, vous venez sur les avant-bras, vous montez la jambe gauche, stabilisez le bassin, allez, montez les fesses, inspire et souffle. Alors, je vais avancer un petit peu les avant-bras parce que je n'ai pas vraiment le gainage. Très bien. Prenez appui. Redressez-vous. Replacez-vous sur les mains. Toujours en appui. Sur la jambe droite. Le bassin de face. Les épaules vers l'arrière. Je me grandis. Et là. Je me mets sur les orteils. Je viens monter. Inspire. Et pose. Souffle. Inspire. Si tu peux, monte la jambe. Et souffle. Toujours les épaules éloignées des oreilles. Encore 3. Croisez bien, côté, croisez. Le dernier, soufflez, grandissez-vous, pieds flex, je monte et je descends. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien, sur l'avant-bras gauche. Alors, vous basculez. Vous amenez le bassin. Allez, la hanche. Je descends et je monte. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien. Inspirez sur les genoux. Push-up. Donc, épaule vers l'arrière, je serre mon centre et mon fessier. Je descends deux temps. 1, 2 et swan dive. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Le dernier. Inspirez, coquillage. Soufflez. Allez, soulagez. Allongez la colonne vertébrale. Placez les paumes de main vers le ciel. Ça vient libérer un petit peu les épaules. Voilà, détendez-vous. Ramenez les mains à côté des genoux. Inspirez profondément, déroulez. Expirez, grandissez-vous. Allez. Ça va ?
Dernière petite partie au sol. Grandissez. On appuie sur les talons. Vous vous grandissez. Allongez la nuque. Très bien. J'inspire. Les paumes de main vers l'avant. Et roll back. Souffle. Inspire. Souffle. Voilà. On vient, pardon, correctement engager le bas des abdominaux. Expirez. Vous restez les avant-bras l'un sur l'autre. Le bas du dos est arrondi, les épaules sont détendues. Vous twistez, amenez le coude vers le sol. Redressez un tout petit peu et de l'autre. Ça fait deux. Trois. Deux fesses bien ancrées dans le sol. Soufflez. Très bien. Inspirez. Les paumes de main vers le ciel. Allongez les jambes et roll back. Doucement. Déroulez. Montez les bras vers le ciel. Paumes de main l'une en face de l'autre. Bassin neutre, centre engagé, montez les jambes, chaise renversée. Très bien. Main gauche, vous attrapez le genou gauche. À la droite, vous allongez bras et jambes. Et 6, 5, Très bien. Et ici, sans tenir, même côté. Et inspire. Changez 6 mouvements. Inspirez, tendez les jambes. Restez. Les épaules bien éloignées des oreilles. Et aplatissez le sacrum au sol. Les jambes chaises. Vous resserrez les pieds et les genoux. Joignez les mains. Attention, corkscrew. Vous allez faire basculer les épaules à droite et les genoux à gauche. Épaules à droite, j'inspire et je souffle, je reviens au centre. Encore. Trouvez votre équilibre. Très bien. Restez. Allongez les jambes au sol. Soufflez. Serrez le centre. Relâchez les mains. Amenez les bras vers l'arrière. Inspirez.
Roll up, soufflez. Restez en haut, ouvrez les jambes. Et là, les bras et twist. Je garde les jambes en ouverture et roll up, je déroule. Serre le centre, inspire et là, roll up, souffle et tu twistes de l'autre. Déroule, inspire, serre le centre, redresse et tu twistes, épaule gauche à droite, souffle. Inspire, souffle. Surtout le bras qui vient derrière, remonte le souffle et fais pivoter la paume de main vers le ciel. Dernière fois de chaque côté. Redressez-vous, vous allez resserrer les jambes. Je vais reculer un petit peu sur mon tapis. Vous allez diriger les doigts légèrement vers les pieds. Vous pouvez ouvrir les mains vers l'extérieur. Vous voyez, moi je vais le faire un petit peu, peut-être voir complètement, mais pas surtout pas les mains vers l'arrière. Ici les doigts vers les pieds, donc ça va tirer beaucoup sur le canal carpien. Je préfère vous avertir, d'accord? Donc, les jambes sont serrées, d'accord? Alors, j'essaye, hein. Puis tout à l'heure, je suis là, je me souviens plus du nom. C'est impardonnable, je suis désolée. Je ferai des lignes, je vous ferai des dizaines de lignes. Je vais vous retrouver le nom. En plus, je l'ai eu à mon examen, celui-ci. Comme quoi, hein, je ne voulais pas le savoir. Je ne voulais pas. Donc, pieds et jambes serrées, les épaules vers l'arrière. Vous ouvrez, vous voyez, vous ouvrez la poitrine, mais vous serrez le centre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de cambrer. Le centre est serré, inspirez, et là vous allez doucement prendre appui et bien soulever les jambes. Le regard vient devant, vers le mur, les épaules sont vers l'arrière. Allongez la colonne, inspirez, et doucement vous reposez les fesses. Les coudes se plient légèrement. J'inspire, et je souffle. J'allonge ma colonne et souffle. Encore. Et relâchez. Très bien. Soulagez un petit peu les poignets. Alors, pour la suite, on ne l'a jamais fait. D'accord? C'est une posture de yoga. Vous savez, je regarde beaucoup de choses. J'aime beaucoup regarder parce que je trouve qu'il y a toujours des choses à découvrir, à tester. Et celui-ci, je l'ai découvert, j'ai testé. Et il est très, très, très bien. Par contre, alors vous voyez, je change le tapis de sens. En fait, c'est pour que vous puissiez bien voir ce que je vais vous demander de faire. Donc là, on va être sur une torsion. Mais vraiment un essorage de la colonne vertébrale. Alors vous savez, des fois on le fait avec le corkscrew. Quand on bascule complètement les jambes d'un côté, puis la tête de l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu, voilà. Ça va être la même chose, sauf que là on va être face au sol. D'accord? Face au sol, et vous allez avoir les fesses à l'opposé. On le fait ensemble. Regardez-moi, je le fais d'abord une fois. Regardez ce que vous allez devoir faire. Alors je fais attention parce que... avec toute ma forêt vierge à la maison. Donc, les épaules sont vers l'arrière. Vous vous grandissez. Inspirez. Vous allez tendre le bras droit sur le côté. La main gauche
va se positionner de manière à prendre appui dessus. D'accord ? Donc, elle n'est pas proche de ma poitrine. Elle n'est pas au niveau de ma tête. Sinon, je ne peux pas prendre appui. Ça va être compliqué. Et vous voyez, je vais remonter mon épaule. Donc, ça, je ne veux surtout pas. Donc, je descends. Peut-être prendre... Mais je préfère, moi, sur la pulpe des doigts. Le bras droit sur le côté. Les deux jambes sont tendues. Vous vous grandissez. Le visage est face au sol. Et là, vous allez plier le pied gauche. On est d'accord ? Bien. Inspirez. Vous allez poser l'épaule droite au sol. Vous voyez ce que j'ai fait ? Là, j'ai ma poitrine qui me gêne un petit peu. Enfin, qui me gêne. J'ai ma poitrine de femme. Donc là, je suis obligée, vous voyez, de descendre et de poser mon épaule au sol. Et sur ce, je vais prendre appui là sur ma main gauche. Et je prends appui pour basculer mon bassin. Et j'essaye d'amener mon pied à côté de ma main. Je me grandis, j'amène le genou vers l'arrière. Inspire. Et là, tu vas revenir. Souffle. Voilà. Ok ? Donc, tu as vu ? C'est ce qu'on va faire. Tu es prêt ? On y va ? Allez, avec moi. Le visage face au sol. Petit 1, les épaules vers l'arrière. Les jambes tendues. Petit 2, tu places le bras droit au sol. Petit 3, main gauche sur le côté. Inspire et là tu viens poser ton épaule. Alors déjà pour certaines, à mon avis, ça ne doit pas être sympa. Détendez-vous et respirez profondément. Pliez le genou pour faire pointer les orteils du pied gauche vers le ciel. Inspirez et soufflez. Prenez appui sur la main pour soulever le bassin complètement. Et amenez votre pied. Ne descendez pas la main, ne descendez pas le bras droit. C'est uniquement le pied gauche qui vient chercher. Inspirez, vous pouvez regarder votre main gauche si vous souhaitez. Et en expirant, vous revenez au centre. Soufflez. Même chose de l'autre côté. Épaule vers l'arrière, j'inspire. Je replace bien mon bassin. Je pose mon épaule gauche, pointe de pied. Et souffle. Alors, essayez de ne pas trop faire monter le genou vers le ciel. Laissez faire votre corps, votre ressenti. Vous devez ressentir un étirement. Inspire et souffle. Très bien, ne bougez pas. On va le refaire une dernière fois de chaque côté. Je me remets en position pour que vous soyez sûr d'être dans le bon mouvement. D'accord ? Allez, bras droit sur le côté, j'inspire, hop, je plie pied gauche, et souffle. Et là, j'arrive à toucher, yes! Inspire, et souffle, ramène. Changez. Épaule vers l'arrière, je pose mon épaule au sol, pointe de pied et souffle. Grandissez-vous. Inspirez et soufflez, ramenez. Inspire, coquillage. Le dos, allongé, faites ressortir le coccyx, faites allonger le crâne, soufflez. Très bien. Placez vos mains à la largeur de votre tapis. Je vais me mettre face à vous. Les bras, la largeur des épaules, à peu près à la largeur du tapis. Ressortez la nuque, inspirez, placez votre main droite sur la main gauche, voir si vous pouvez à côté, mais sans décoller les fesses de vos talons. Inspire, et souffle, décroise, même chose de l'autre.
Éloignez bien les épaules de vos oreilles, surtout. Hein. Ne rentrez pas les épaules dans la tête, enfin la tête dans les épaules plutôt. Revenez au centre, inspirez. Ramenez les mains à côté des genoux et soufflez, déroulez. Très bien. Allez. Avec moi, les jambes sur le côté. Je me grandis, j'inspire. Et là, je vais bloquer, je souffle. Je descends bien mon épaule. Et si je peux, en diagonale. Allez, amenez bien le buste, voyez, hein. Vraiment, je vais chercher sur le côté. Ça tire, on est d'accord. Inspire et souffle, redresse. Wow. On a fini. Allez, le dernier mouvement. Je me grandis, j'inspire, j'incline, je souffle. Inspire et là, part en diagonale. Souffle. Inspire et souffle, redresse. Voilà. Ramenez les jambes et relâchez. Vous allez vous redresser tout doucement, chevalier, et nous aurons terminé. D'accord? En tout cas, bravo. Belle séance. Alors, vous avez vu, hein? Enfin, moi, le dernier mouvement yoga, il m'a complètement fait oublier le reste de la séance. Mais on a énormément travaillé les épaules. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas si demain, vous êtes un petit peu gêné. Alors, ne le faites pas le matin au réveil, parce que souvent, au réveil, les muscles sont très froids, parce que vous avez dormi. Donc, plutôt milieu de matinée, fin de matinée, petit mouvement, vous enroulez vos épaules. Et surtout, hein, celui-ci, là, je viens tirer. Voilà, je pousse mes épaules vers l'arrière et les bras loin devant. Comme ça, ça vient bien séparer les deux omoplates. Et souvent, c'est ce petit trapèze et ces rhomboïdes qui font défaut, qui souvent, ah, j'ai mal au dos, mal aux épaules, plein le dos. Voilà, c'est eux. Allez, sur ce, on va se redresser en chevalier et nous allons nous quitter. Ouais, sur le chevalier, c'est pas mal, moi, je dis. Hein. Allez, choisissez votre chevalier, peu importe. Hein. Sympa, hein, de préférence, galant, gentil, serviable, tout. Hein, une vraie voix simple, le gars. Hein, voilà, tout pour vous. Ouais. Allez, j'inspire et je souffle, je me redresse. Et voilà, vous avez terminé. Les filles, je vous souhaite une très belle semaine à vous. J'espère que cette séance vous aura beaucoup plu et qu'elle vous aura permis un petit peu de déverrouiller toutes ces articulations. Parce qu'on a beaucoup travaillé les épaules, mais aussi le bassin. Bravo. Belle semaine à vous. À la semaine prochaine. Bisous.